Bonjour, je m'appelle Patrick Cacconi, ancien directeur de l'École des Sables, et je suis ici un petit peu pour vous parler de ce qu'on y fait. Et donc, cette idée de conférence m'intéressait dans la mesure où il s'agissait de s'adresser donc à des danseurs soit en devenir professionnels ou à des danseurs tout court, pour parler un petit peu des enjeux un petit peu que nous traversons en Afrique, et notamment à l'École des Sables. L'École des Sables, donc réflexion pédagogique et enjeux corporels et esthétiques. Alors, il faut quand même savoir que l'École des Sables a été fondée par Germaine Acconi, donc qui est récemment Lion d'Or à la Biennale de Venise de danse, et par Helmut Vogt, son mari, qui est mon beau-père. Et on les appelle Ma Germaine et Pa Helmut, hein, familièrement, et ce sont les fondateurs, donc. Alors, qu'est-ce que c'est l'École des Sables? Donc, on voit bien que c'est une communauté de danseurs, un lieu d'apprentissage et de formation, un lieu de réflexion et de recherche artistique, un lieu de création, une maison de la danse pour les danseurs et les non-danseurs aussi. Oui. Un espoir pour la jeunesse africaine, un centre mondial pour la formation des danses du continent africain, un lieu où des dizaines de nationalités, de cultures se côtoient. Alors, l'École des Sables, il faut le noter, est quand même un de ces nombreux endroits où l'initiative privée est vraiment à l'ordre du jour, où l'engagement personnel, l'amour de la danse pour une grande communauté ont contribué à faire de ce centre un centre de formation reconnu, hein, un centre de formation en danse et de recherche. Mais c'est surtout aussi l'existence d'une de survie, l'École des Sables. C'est-à-dire que
les difficultés d'obtenir des subventions, des aides pour pouvoir perdurer dans le temps et pour pouvoir poursuivre sa mission qui est la formation du danseur. Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'école des sables? Ben, on fait plein de choses, hein. Vous pouvez voir les formations longues, 10 semaines. Hein. C'est généralement les formations pour les danseurs africains qui durent 3 ans, formation diplômante. Et puis autour de ça, nous avons plusieurs variations possibles, soit 4 semaines, 2 semaines, et qui sont adressées en général aux danseurs professionnels et de temps en temps à des amateurs avancés, c'est-à-dire des gens qui ne se sont pas fait le pas de devenir des professionnels, mais qui pourraient le devenir et qui ont envie d'approfondir leur pratique d'une manière ou d'une autre. Donc, les formations peuvent être ouvertes à ces gens-là, mais aussi à des non-danseurs, mais qui utilisent la danse comme profession. C'est-à-dire que, par exemple, si on est dans la danse-thérapie, si on est un psychologue ou un peintre qui utilise beaucoup le mouvement, on peut accepter ces gens dans la mesure où la formation à l'École des Sables va pouvoir approfondir leurs connaissances, leur recherche du mouvement, et donc pouvoir être plus pertinent, efficace, pratique dans leur formation première, quelle qu'elle soit. Donc formation ouverte aux danseurs professionnels ou semi-professionnels des 5 continents, une formation aux amateurs amoureux de la danse et de la culture. L'ouverture de nos espaces pour les activités locales aux enfants, c'est-à-dire que là, on a beaucoup développé les activités. Savoir que l'École des Sables, qui est au Sénégal, je ne l'avais pas précisé, et se trouve dans un petit village à 55 km de Dakar. On est dans un village de pêcheurs et là, on travaille beaucoup avec les enfants qui vont à l'école ou qui tout simplement en activité hors école. Donc, c'est-à-dire danse à l'école. On va dans les écoles, mais aussi on invite les enfants les mercredis ou les samedis à venir danser à l'École des Sables. Donc voilà, c'est pour eux. Aussi aux amateurs, hein, on fait des stages de week-end et puis on organise des résidences artistiques, des accueils de stage pour qui souhaiterait venir au Sénégal faire une résidence. Alors ça peut être organisé par des associations, des groupes ou simplement des individus qui ont envie de passer un certain temps à l'École des Sables pour faire des choses. Alors, l'École des Sables, c'est aussi plus de 20 ans d'existence, plus de 600 danseurs africains formés, dont 150 danseurs sénégalais. C'est aussi un certain nombre, plus de 200 danseurs non africains, c'est-à-dire qui viennent des autres continents. Hein, plus de 50 professeurs invités, voilà, on est un peu dans les chiffres, mais bon, parfois c'est bien aussi ça. Des tournées dans les grandes capitales et puis 2 compagnies de danse, hommes et femmes, donc on appelle Djentoubi hommes et Djentoubi femmes, qui pour l'instant sont un petit peu en stand-by. Bon, on sait pourquoi, c'est compliqué en ce moment. Donc voilà. Alors, l'École des Sables veut être la maison mère de la danse et des danseurs en Afrique. En fait, c'était la vision de Germain Lacogny, qui voulait créer un lieu où les danseurs d'Afrique s'y reconnaîtraient. Donc c'était la vision d'une danse panafricaine, d'une Afrique panafricaine, d'une Afrique qui se retrouverait dans ce lieu et qui serait que voilà, là, c'est un lieu qui a été créé pour nous et on peut se retrouver, y danser, se former, rencontrer d'autres danseurs, collaborer, créer des réseaux, etc., etc. Alors, à l'École des Sables, au niveau des pratiques, au niveau des contenus de cours, à la base, 2 choses sont essentielles, la technique Aconi et les déconstructions de danse traditionnelle. Donc, je vais un petit peu m'approfondir sur ces 2 choses. Alors, la technique Aconi, qu'est-ce que c'est? C'est la vision d'un corps dansant, élégant, rythmique, unifié et clair. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait, donc, spécificité de la technique Aconi, une technique codifiée et caractérisée par des exercices précis basés sur une expérience sensorielle et formelle des formes. C'est une synthèse unifiant des danses du Nord, du Sénégal et du Sud aussi du même pays. 2 principes fondamentaux de la technique, la marche, comme une mise en disponibilité du corps dans le temps et l'espace, et l'usage de la colonne vertébrale par des oscillations, tremblements, des ondulations. Alors, une technique codifiée, c'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que le vocabulaire de Germaine Lacogny se distingue par une labellisation des mouvements qu'elle a créés.
Donc, on va parler du mouvement de palmiers, du voilà, arc bandé. Enfin, ce sont des noms qui s'inspirent de la nature ou de l'environnement, le baobab, par exemple, et duquel elle va expérimenter sur son corps et créer en fonction de ses différentes intuitions et ressentis, mais aussi inspirations provenant de son expérience des danses traditionnelles, pas seulement du Sénégal pour le coup, mais de l'Afrique de l'Ouest en général, mais aussi parfois en dehors même de l'Afrique. Donc une synthèse unifiante, c'est un petit peu un raccourci là des danses du Nord et du Sud. En réalité, à l'origine de sa démarche pédagogique et artistique, Germaine Acogny se fait le constat que dans les danses au nord du Sénégal, on danse beaucoup avec les bras, de grands mouvements de bras. Donc il faut savoir que le nord du Sénégal, c'est plutôt le désert, c'est plutôt le Sahel, la savane. Et donc on a plutôt tendance à s'envoler, alors que dans le sud, qui est une zone de forêt, la Casamance, on est plus dans la terre, on est dans les frappés de sol, avec des mouvements d'oiseaux, mais qui trouvent leur ancrage vraiment dans le sol. Alors autant vers le nord, on a tendance à s'élever, à chercher la verticalité et à s'élancer vers le ciel à partir d'un ancrage, autant dans les danses du sud, on est vraiment dans des frappés du sol. Et donc elle se dit, moi ma danse, je vais ramener les danses, les mouvements du haut du corps et les mouvements du bas du corps. Donc je vais faire une danse unifiée qui va intégrer toutes ces différentes qualités qui caractérise ces danses. Alors, c'est très schématique, c'est très synthétique, mais c'est l'idée qui va nourrir sa démarche, l'idée de ramener des choses que l'on, normalement, on ne voit pas dans telle danse ou dans telle autre danse. Donc, deux principes fondamentaux dans la technique, la marche. Donc, effectivement, ce qui est remarquable dans le cours de danse, c'est qu'on commence l'échauffement. Ce que j'appelle la mise en disponibilité, qui est une mise en disponibilité physique et mentale, on ne commence pas par faire des exercices pour s'échauffer, on commence par marcher. Donc on marche et on marche en rythme. Et on utilise le mouvement de la colonne vertébrale, donc les mouvements d'oscillation, qui sont des mouvements d'aller et venir de la colonne vertébrale, de tout le dos, qui se distinguent aussi par des tremblements, des mouvements plus rapides et des ondulations. Donc voilà, ce sont des choses qui sont vraiment remarquables dans cette technique de Germaine Acogny. Et on s'en sert aussi comme outillage chorégraphique dans des travaux de composition et de recherche. On peut, à partir de cette technique-là, aller vers d'autres langages ou tout simplement déconstruire parfois certaines danses traditionnelles en utilisant les principes qui vont faire cette technique Acogny. Donc quelques images, pardon, ici. Germaine Acogny que l'on voit, qui mène la danse, avec des mouvements de contraction, on peut voir. Alors, il faut savoir que ce qui est intéressant dans la formation technique d'Acogny, c'est que si peut-être des milliers de personnes ont eu l'occasion de suivre cette formation, il n'y en a que 17 qui ont été formés à la technique d'Acogny et qui peuvent l'enseigner officiellement. Au sein de ce qui est aussi très intéressant, je trouve, au sein de ces 17 personnes, on distingue plusieurs tendances. Donc, 17 personnes, ce n'est pas beaucoup. Mais on s'aperçoit qu'il y a ce que j'appelle les conservateurs qui s'attachent à la forme telle qu'elle existe et veulent en préserver une certaine authenticité. C'est-à-dire qu'au travers de leur formation, certains sont convaincus que cette technique ne doit pas être altérée, elle doit être telle qu'elle et on doit respecter à la fois la forme et l'esprit de Germaine Acogny telle qu'elle avait conçu cette. Et puis on a une deuxième chose, c'est qu'on a des innovateurs qui sont des créatifs et qui s'attachent essentiellement à l'esprit de la technique et qui sont traversés par plusieurs styles selon leur formation, leur goût ou leur attirance. Donc ça peut être la danse classique, danse traditionnelle ou danse urbaine. Alors là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont apporter un petit peu leur propre inspiration à cette technique de danse et développer quelque chose qui s'attache à
ce qu'ils ont compris et ressenti de cette technique-là. Donc, ils ne sont pas aussi fortement attachés à la forme, mais plus dans l'idée à partir de là, de développer quelque chose qui serait plus de leur attirance ou de leur désir, inspiration chorégraphique. Et puis, on a les flexi-modernistes, comme je les appelle, capables d'enseigner la forme authentique, mais également très innovateurs dans la manière d'enseigner. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'attacher à conserver la manière d'enseigner de Germaine Aconi, commencer par exemple par une marche, faire un cercle, etc. Ils vont tout simplement procéder autrement, ils vont amener peut-être des diagonales, ils vont amener essentiellement un autre regard, une autre façon de structurer le cours, mais qui au fond vise à quand même respecter à la fois les mouvements codifiés et cet esprit-là, quel qu'il soit, cet esprit qui reste assez, quelque chose d'assez immatériel et d'assez abstrait, mais qui semble faire sens et consensus quand on parle avec ces 17 danseurs. Voilà. Il existe toutefois un nombre incalculable d'artistes ayant été exposés à la technique qui l'enseignent ou enseignent des parties de la technique de manière explicite et parfois discrète sans le nommer. Donc on voit un petit peu de tout. Certains qui sont passés par l'école des sables ou pas d'ailleurs et qui ils vont enseigner des éléments, des choses qui proviennent de cette technique-là à leur façon. Donc voilà, certains s'y réclament de la technique, d'autres pas, mais voilà, on trouve un petit peu de tout dans ce monde de la technique inconnue. Alors, la deuxième chose qui est aussi essentielle à l'école des sables, c'est la déconstruction des danses patrimoniales. Donc, ce que j'appelle une approche pédagogique et artistique. En fait, c'est un concept que j'ai développé à l'École des Sables. Donc, les danses patrimoniales, elles sont africaines, donc nécessairement africaines, c'est-à-dire qu'elles s'inspirent des danses qui sont pratiquées sur le continent africain. Là, pour le coup, pour ce qui me concerne, essentiellement le Sénégal, Mali, Guinée, qui sont les zones pour lesquelles je suis assez le plus familiarisé. Donc, on s'intéresse au corps dansant et non à la danse en tant qu'esthétique, sauf si c'est le seul sujet d'exploration. C'est-à-dire que là, ce qui m'intéresse, c'est par le corps de découvrir comment je trouve les chemins pour nourrir cette pratique-là, plutôt que de partir du mouvement. Donc, on va maîtriser le mouvement et voir où est-ce qu'on peut l'amener. C'est plutôt comment je ressens les choses, donc une approche sensible, somatique, et qui va me permettre par là d'explorer finalement la danse. Donc on commence par le corps plutôt que par la forme. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse. Et donc les points d'étude sont précis, donc les principes de danse africaine de l'Ouest que je développerai plus tard, la musicalité, la physicalité, la technique, l'expressivité, l'improvisation et l'exploration. Donc ce sont des choses que l'on fait beaucoup dans la déconstruction et qui permettent un petit peu une approche assez singulière finalement de cette pratique. Notamment les danses traditionnelles ou patrimoniales, on apprend les répertoires, voilà, et moi j'essaie de comprendre mais qu'est-ce qui anime, qu'est-ce qui structure ces danses, qu'est-ce qu'il faut que ces danses proviennent ces danses qui proviennent d'une communauté appartiennent à cette communauté-là, mais essentiellement, qu'est-ce qui fait que, à quel moment ça bascule et ça n'appartient plus à cette communauté-là ? Qu'est-ce qui, esthétiquement, fonctionnellement, structurellement, va changer, va être modifié et faire que, voilà, une danse Wolof ou une danse Lébou n'est plus Lébou, n'est plus Wolof. Donc, Lébou et Wolof, ce sont des communautés, ce qu'on appelait à l'époque des ethnies, ce mot que je n'aime pas beaucoup utiliser. Donc voilà, ce sont des approches très, très contemporaines, hein, des lectures très contemporaines, mais qui s'intéressent vraiment aux danses traditionnelles. Voilà, votre serviteur en action. Voilà. Donc des danseurs en formation diplômante. Voilà, là on pratique un pas de sabar. Hein. Là, un pas mandingue. Alors, c'est une approche aussi théorique. Donc, elle est inspirée de la grille esthétique des danses africaines selon Robert Farris Thompson. Il faut savoir que c'est un chercheur américain qui est professeur d'histoire
et qui a étudié beaucoup l'art africain, notamment les masques et les danses, surtout dans les pays anglophones, et qui en a tiré 7 à 9 points essentiels qui font ces danses africaines. Donc des points qui font que si on retrouve ces points-là, on est probablement dans une pratique de danse africaine. Il y en a qui sont très intéressantes, ce qu'on appelle le jeunisme, c'est-à-dire cette espèce de vitalité qui est importante, comment rentrer dans une danse et comment en sortir, donc la coupure, le bending, ce qu'il appelle le bending, c'est-à-dire la façon dont on est ancré dans le sol par des pliés où le bassin est relâché, enfin, etc., etc., je prendrai trop de temps. Il y a également des études spécifiques de ces danses ou d'autres approches de lecture possible. Donc l'analyse du mouvement dans le corps dansé, les grilles de Laban, de Bartenieff, etc., etc. La déconstruction, finalement, elle cherche un petit peu à s'échapper de ces grilles de lecture qui ont été inventées finalement des Occidentaux pour essayer de trouver une grille de lecture qui est spécifique à la pratique avec un regard plutôt centré, donc africano-centré, et que j'espère plus approprié à ce que nous pratiquons. Alors oui, voilà ce que la carte en question. Bon, c'est assez simple et complexe à la fois. Hein, les principes de danse africaine, donc ancrage, l'ancrage, c'est la façon dont on est connecté au sol, et le rebond, la façon dont on gère la gravité, l'usage de la colonne vertébrale, important, hein, voilà, la posture, polycentrisme, c'est-à-dire la façon dont on utilise plusieurs centres à la fois. Donc il faut savoir qu'en danse classique, jazz, généralement des danses, ou même on a un centre vers lequel le mouvement doit émerger. Ben, pour nous, y a les pieds, il y a les genoux, il y a les hanches, il y a les épaules, il y a le torse, il y a la tête. Tout ça, ce sont des centres qui s'harmonisent pour donner une façon de danser. Donc on n'a pas un centre vers lequel le mouvement va émerger, on en a plusieurs vers lesquels les mouvements émergent. Donc la technique d'utilisation des pieds, de la colonne, cette maîtrise. Voilà, les qualités de mouvement qui sont à voir avec si je mets du poids, si je mets de la fluidité, si les mouvements sont percussifs. Voilà, les mouvements de rotation, de vibration, d'oscillation, tremblement et posture. J'aurais bien voulu montrer, mais bon, là encore, je ne sais pas si on a le temps, mais voilà, expressivité. Voilà ce qu'on fait avec le visage, c'est sentir ce qui se passe, si on a envie d'être cool, si on a envie de faire de la comédie, si on veut jouer sur les contrastes, on veut dégager l'énergie. Ça, c'est très important. C'est à la fois le visage, mais c'est aussi ce que je fais avec le corps. Et puis le rapport à la musique, c'est important. Les polyrythmiques, donc c'est des rythmes plusieurs rythmes qui jouent ensemble donnent un rythme. Voilà, c'est important de comprendre qu'il y a un cycle, généralement un cycle de 4 temps, 1, 2, 3, 4, qu'il y a le timing qui va, et qu'à partir de là, comment je danse sur ces polyrythmiques, mais aussi comment je danse avec les autres, ce qu'on a tendance un petit peu à oublier, et puis comment je trouve aussi le temps créatif, c'est-à-dire comment je peux danser, au lieu de danser le temps, je vais danser le contre-temps, je vais danser des temps alternatifs, trouver des dynamiques là-dedans. Et puis évidemment, le côté physique qui est essentiel à toutes les danses. Et puis enfin, les improvisations qui sont assez communes qu'on retrouve en danse contemporaine. Mais la spécificité dans les danses africaines, c'est surtout comment, à partir des pas de basse, trouver de multiples variations autour du même pas, autour du même mouvement. Donc ça, c'est la carte un petit peu qui est illisible, je me suis faite pour justement un petit peu voir les éléments qui faisaient cette pratique des danses patrimoniales. Voilà. L'école des sables, c'est donc la technique Aconi, c'est les constructions de danses patrimoniales, mais c'est aussi pour se faire connaître les danses patrimoniales, c'est-à-dire connaître ces danses traditionnelles. Donc les danseurs qui viennent, les danseurs africains, on leur demande de connaître leur danse, les danses de leur pays. On
trouve que c'est important. Donc, les danses patrimoniales comme source identitaire, donc connaître ses danses patrimoniales, connaître son histoire, son origine, ses valeurs, recréer le lien avec les ancêtres qui ont inventé ces danses, danser dans leurs pas, suivre leurs traces. Voilà, ça, on trouve que c'est important. C'est aussi des principes que l'on retrouve avec Robert Faris Thompson. C'est avoir une fondation, une base solide sur laquelle construire sa danse d'aujourd'hui et de demain. Avoir une référence esthétique fondatrice, un cadre de lecture et d'interprétation qui n'est pas seulement la forme, mais également le contenu, le contexte, la signification et le symbolique. C'est-à-dire que une tendance avec les danseurs, c'est qu'ils sont très intéressés par la forme. Et il n'y a pas que la forme, il y a aussi d'où ça vient, qu'est-ce que ça signifie, où est-ce qu'on peut l'amener. Parce qu'il faut savoir que les danses patrimoniales ou les danses traditionnelles ne font sens qu'en fonction de leur contexte. C'est-à-dire que, par exemple, une danse qui peut être religieuse ou semi-religieuse, comme les danses de masque, il faut savoir que souvent les danses de masque, ce sont des danses où on incarne, où est incarné un esprit donné. Et donc, ça a un caractère religieux ou semi-religieux, donc relativement sacré. Et donc, mais la même danse, dans un autre cadre, peut devenir une danse populaire, c'est-à-dire une danse où on fait la fête. Donc, quand c'est une danse religieuse, sacrée, par exemple, il se peut que les enfants ou les femmes n'aient pas le droit de voir le masque. Donc, ils sont dans les parages, on va les chasser ou les fouetter, par exemple. Là, on est vraiment dans un fouetter, c'est-à-dire que voilà, on les chasse avec une branche. C'est pas le fouet avec, je m'entends. Hein. Mais en tout cas, on va les chasser. Ils n'ont pas le droit d'être là, ils n'ont pas le droit de voir les masques. Seuls les initiés peuvent le voir. Et puis le même masque dans un autre contexte, c'est la fête. Donc les femmes, les enfants sont présents et donc ça peut entraîner un malentendu, une mécompréhension, incompréhension de ces formes-là. Il faut comprendre que c'est le contexte qui fait sens. Et parfois, manipuler le contexte manipule aussi le sens de la danse. Je trouve très intéressant, du point de vue artistique, chorégraphique, c'est aussi intéressant d'en maîtriser les données et de pouvoir justement jouer avec ça. Alors, danse patrimoniale comme fondation d'une danse africaine contemporaine. Les danses patrimoniales, c'est quoi? C'est l'attachement aux valeurs traditionnelles, celles des ancêtres de la famille, de la religion. Danse africaine moderne, comme la technique aconique qui se veut moderne pour le coup, c'est l'innovation des valeurs. Elles sont une base de progrès pour avancer. Donc, c'est vraiment cette philosophie que Germaine Aconi a pour sa danse. Et danse africaine contemporaine, c'est la déconstruction des valeurs, leur questionnement, sans doute leur réinvention. Les valeurs ancestrales ne sont plus au centre. D'autres valeurs, d'autres mondes sont également importantes et également questionnées comme interrogation du monde et non comme réponse. Voilà. Donc, on ne cherche pas à apporter des réponses. On interroge, on questionne. Et moi, c'est plutôt là où je me situe dans ma démarche artistique, pédagogique. Alors, encore quelques photos. Là, pour le coup, c'est Aki Bertrand qui donne des cours de danse ivoirienne, des traditionnelles. Là, une danseuse béninoise qui exécute un pas dans un moment d'improvisation. Voilà, un pas de danse de Sabar, qui est une danse du Sénégal. Là aussi, un pas du Sénégal. Non, ça, c'est les pas de Saki, Côte d'Ivoire. Alors, l'école des sables, c'est ce qui est important et comprendre, c'est qu'on cherche à mettre les danseurs dans une situation de pouvoir inventer son langage chorégraphique et de reconfigurer à chaque fois le sens de cette danse-là. Alors, reconfigurer, c'est-à-dire à chaque fois la re-questionner, la remettre à l'ordre du jour. Et je trouve ça... justement, ce qui est intéressant. Donc, on peut voir, par exemple, ici, dans le cadre de travaux chorégraphiques, des danses expérimentales qui ont été faites. Parce que l'école des sables est un endroit où on peut pratiquement tout faire. Donc, c'est un endroit safe, sécurisé, où on peut prendre des risques, ce qui n'est pas toujours le cas en Afrique. On ne peut pas toujours prendre n'importe quel risque. Donc on explore des possibilités. C'est Agathe, je calme.
Alors, c'est important de savoir qu'à l'école des Sables, voilà, on apprend pas seulement les danses du pays, mais les danseurs qui viennent vont enseigner les danses de leur pays aussi. Ils vont partager quelque chose avec les autres danseurs. Donc, c'est une richesse culturelle incroyable du point de vue des danses patrimoniales, hein, il faut savoir. L'enjeu est de faire connaître sa culture et au moins une danse avec son histoire, son sens, ses valeurs, son pays avec les autres danseurs. Donc c'est ce partage qui est important où, voilà, qu'on soit du Rwanda, d'Éthiopie, d'Afrique du Sud, on va partager un petit peu de ce savoir avec les autres, faire connaître d'où on vient, ce qu'on fait, dans le cas, voilà, pour s'enrichir, pour aussi élargir son champ de vision. Pour les non-africains, et c'est arrivé vraiment très souvent, c'est l'occasion de réfléchir sur les danses, le sens des danses traditionnelles et leur existence et pratique dans leur propre pays. Ben, souvent, on a eu, par exemple, des Français. Mais nous, on n'a pas de danse traditionnelle. Ben, vous trompez, il y a des danses traditionnelles en France. Les danses bretonnes, les danses normandes, enfin, j'en passe, il y en a. Donc, si, voilà, il suffit juste voilà, de se renseigner, ça existe. Pareil pour les Suisses, il existe des danses traditionnelles. Donc ça permet aussi de, voilà, ces non-africains, de se questionner, de questionner, mais d'où je viens, mais c'est quoi ma danse, moi, de mon pays? Mais aussi de questionner certaines traditions dansées existantes, comme le bal, l'idée du bal, et d'autres traditions paysannes, montagnardes, marines, etc. Donc, source identitaire et de valeur, ces danses sont une ouverture à la pensée corporelle de ces diverses communautés. Un accès à d'autres visions du monde est parfaitement enrichissant pour les danseurs de l'École des Sables. Plus on est exposé à d'autres façons de danser, à d'autres formes de danse, plus cela nous nourrit, nous inspire, nous ouvre des possibilités. Et voilà, on essaie vraiment de stimuler, d'enrichir les danseurs qui viennent, qu'ils soient africains ou non, qui viennent à l'école des Sables. Évidemment, la pratique de la danse contemporaine, elle est importante. Hein, voilà. Alors, ce que j'appelle occidentale est essentiellement française, mais pas que. Hein, elle est parfois américaine parce qu'on invite beaucoup de professeurs qui viennent. Voilà. Et c'est essentiellement une façon de nous, ce qu'on cherche à travers la danse contemporaine, c'est pas nécessairement de faire de la danse contemporaine occidentale, mais c'est, voilà, la façon de penser, de structurer les étuages d'exploration, de construction et de réflexion qui vont être un miroir de nos propres pratiques quelque part. Voilà, comment je et autre, finalement, et comment l'autre me renvoie à moi-même. Et je pense que la danse contemporaine est une excellente pratique dans la mesure où elle nous renvoie à questionner nos propres chemins, nos propres réflexions. Voilà, et nous stimule. Donc, on voit bien que, par exemple, les principes fondateurs de la danse, comme les techniques de la BAN, hein, le temps, l'espace, l'énergie, sensation, poids, etc., sont des façons de lire le mouvement et de lire le corps qui peuvent enrichir les pratiques de danse africaines. Et le font d'ailleurs. Et voilà, on apprend à mettre des mots, là on n'en avait pas, on apprend à amener de la réflexion et à trouver peut-être quelque chose qui correspond beaucoup mieux à nos propres pratiques, à partir de cette expérience-là. Encore quelques photos. Là, nous avons Gabriel Smet qui est hollandais et qui parle de l'idéologie du corps. Donc, quelle idéologie du corps avons-nous? C'est-à-dire, quelle vision du corps dansant avons-nous? Est-ce une danse hip-hop? Est-ce une danse traditionnelle, une danse contemporaine? Laquelle et comment elle est traversée? Par quoi? Voilà, il nous interroge sur ces questions, on en discute, on en débat. Et c'est très, très. Voilà, Olivier Dubois. Qui voilà, nous parle un petit peu de son regard chorégraphique. Évidemment, ça c'est on peut pas louper ça. Hein, les danses urbaines incontournables. Elle est voilà, à l'époque où je parle de ça, l'afrobeat n'était pas à son n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et on pourrait y ajouter cette danse urbaine africaine. Donc voilà, extrêmement pratiquée par un jeune public, généralement dans les lycées en Afrique. Les danses urbaines ont pris une place essentielle dans le champ des pratiques chorégraphiques africaines. Comment on le sait? Bah, tout simplement, quand on voit des jeunes qui viennent aux auditions, beaucoup d'entre eux sont des danseurs hip-hop, mais qui ne connaissent pas forcément leur danse traditionnelle. Donc ce qui est intéressant, c'est parce ils vont venir à l'école et puis ils vont s'apercevoir que ben, c'est bien de faire des danses hip-hop, mais s'ils veulent amener une couleur, quelque chose d'intéressant à la danse hip-hop,
ben, ce serait bien d'en savoir davantage sur les danses traditionnelles. Du coup, il y a un aller-retour vachement intéressant entre pratique de danse traditionnelle et danse hip-hop. Voilà, on assure régulièrement une formation orientée vers les danses urbaines avec une incursion profonde vers les danses patrimoniales. Généralement, ces danseurs sont peu familiarisés avec les danses traditionnelles, mais l'EDS, fidèle à sa vision, leur donne une formation de cette danse et danse afin de leur donner des outils pour créer une danse urbaine originale et aussi africaine. Donc là, un peu de pratique, un peu de b-boying, comme ils disent ça, voilà, passage au sol. Des professeurs reconnus qui viennent enseigner. Voilà. Donc, une autre chose qui est importante de l'école des sables, c'est quand même l'aspect théorique, hein. Si on est très axé sur la pratique, il est important d'apporter une réflexion théorique aux étudiants. Un des grands drames, comme je dis, chez nous, c'est que c'est une pratique de pauvres, la danse, en fait. Autant pratiquer la danse en Europe, c'est une pratique bourgeoise, il faut le dire. Ça coûte cher, ça coûte de l'argent. Autant en Afrique, ceux qui dansent, c'est ceux qui n'ont pas les moyens, en fait, en réalité. Donc, c'est un peu ce mythe tout le monde danse en Afrique. Non, tout le monde ne danse pas en Afrique. C'est aussi une espèce de doxa. Voilà. Et malheureusement, donc, beaucoup n'ont pas suivi suffisamment d'études. Donc, comment compenser ça? Parce que faire la danse, c'est bien, mais pour pouvoir avancer, il faut aussi un minimum de savoir. L'enseignement de la théorie est important. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on invite des professeurs d'université, des artistes, des personnalités à venir parler, projeter des films, des documentaires pour vraiment enrichir et discuter et faire voir un maximum. On est vraiment de comment stimuler, enrichir, sortir de notre isolement, ces danseurs, pour justement pouvoir aborder ce monde avec un œil plus sûr et un pied plus ferme. Alors. Au final, quoi? Alors, c'est quoi ce corps dansant-là? Une fois qu'on a parlé de danse urbaine, on a parlé de danse contemporaine, de danse patrimoniale traditionnelle, de danse africaine contemporaine. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un danseur. Hein. Je ne vous ai trompé pas. Chère Agathe. Donc, un corps dansant, traversé par des principes provenant de diverses techniques, esthétiques, styles, genres, des danses d'Afrique et d'ailleurs. Donc, en fait, on voit bien que on n'est pas dans un formatage du danseur, on les forme pas dans une technique, on essaie d'informer le corps, de les ouvrir à plusieurs choses, à les préparer à plusieurs techniques, de manière à ce que, en fait, l'idée, c'est, voilà, on vous donne des outillages, on vous forme, on vous amène ces savoirs, de façon à ce que vous trouviez votre chemin là-dedans et que vous inventiez votre propre forme. Donc, faut savoir que ce sont des corps multiples, donc des corps qui apprennent plusieurs techniques de danse et qui ne se limitent pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, aux danses africaines traditionnelles ou aux danses d'Afrique, disons. Donc, un corps multiple, éclectique, capable de naviguer entre danse patrimoniale et danse contemporaine. Voilà, c'est un petit peu l'idée de former des danseurs qui seraient aussi bien à l'aise dans des formes de recherche d'auteur en tant que danse contemporaine, mais qui seraient aussi à l'aise dans l'apprentissage ou la pratique de danse patrimoniale, c'est-à-dire de danse traditionnelle et même de danse urbaine, ce que je n'ai pas mis. Donc voilà, nous essayons en tout cas de préparer ces corps
de les aider à naviguer et d'être à l'aise dans ces formes-là. Donc encore non formaté, disponible, perméable aux influences d'ailleurs, mais toujours, toujours, ça c'est important, ancré dans ces expériences africaines et noires. C'est-à-dire qu'il est important pour nous que, et c'est vraiment cette vision que nous avons, c'est que le danseur qui vient à l'école, si au départ il ne connaît pas ses danses traditionnelles, quand il repart, il doit s'y mettre. Parce que c'est là qu'il va, il va trouver sa force, c'est là qu'il va trouver son enrichissement, c'est là qu'il va créer sa différence. Le corps dansant du danseur, donc du sabliste, on appelle un danseur qui a été à l'école des sables, qui a suivi une formation, un sabliste. Donc, il a connu le sable de l'école des sables. Et les danseurs qui ont été à l'école des sables, quand ils sont passés par le sable, ils savent ce que ça veut dire, parce que c'est dur. Hein. Voilà. Donc, le corps dansant du danseur sabliste est finalement le miroir de l'espace qu'est l'école des sables, c'est-à-dire un corps-lieu traversé par des multitudes de pensées, d'influences, d'esthétiques, et qui néanmoins reste profondément attaché à ses origines, tout en regardant vers l'avenir, optimiste et joyeux, fort et vulnérable, simple et ouvert. C'est-à-dire que l'école des sables est un espace qui se voulait au départ panafricain, donc ouvert à toute l'Afrique, hein, ce qui est assez rare pour une institution de formation, en tout cas en Afrique, et qui accepte de se laisser toucher, traverser par toutes ces cultures qui viennent. Il faut savoir, par exemple, que quand vous venez à l'école des sables, que vous êtes danseur, et que vous venez d'Asie, que vous veniez d'Amérique, d'Australie, d'Océanie, ou d'ailleurs, on vous demande d'apporter du sable de votre pays. Et ce sable, il est mélangé à celui de l'école des sables. Il y en a deux espaces. Un espace où il y a un tapis de danse, c'est du béton dessous, mais un tapis épais, voilà. Et puis un autre où c'est le sable, on danse dans le sable. Et donc ce sable, quand vous venez, il faut savoir qu'il y a pratiquement du sable de tous les continents, là. Et vous dansez dans ce sable-là, qui est traversé par tous ces sables venant d'ailleurs. Donc c'est important symboliquement de pouvoir dire, voilà, ici, il y a la marque de tous les continents. Et donc ce que j'appelle ce corps-lieu, c'est aussi celui du danseur qui non seulement apprend des professeurs qui sont invités, mais apprend des uns et des autres. C'est-à-dire des voilà. C'est une façon aussi d'amener le danseur à regarder de l'avenir avec optimisme, parce que souvent, quand ils arrivent, ils se disent qu'il faut absolument que je sois formé, que je fasse ça, je suis désespéré. C'est donc leur donner cette possibilité de faire partie d'une famille, d'un réseau, et de se confronter finalement quelque part à ce monde qui est un monde impitoyable, hein, le monde de la danse, il est assez impitoyable, donc, et de leur donner un bon départ. Hein. Ce n'est pas une formation qui est finie, souvent quand on leur donne l'envie de continuer, ils ont envie de continuer des études, et malheureusement ou heureusement, pour eux, ça signifie aussi partir pour pouvoir faire des formations. Et comme dit souvent ma mère, partez si vous avez besoin de partir. Partez. Mais n'oubliez pas de revenir. Voilà. Donc, voilà, c'est tout pour cette conférence. Au final, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que l'école des sables, c'est vraiment un lieu pour le danseur. Qu'il soit africain ou non africain, c'est un lieu où se construit l'avenir petit à petit, et on laisse cette responsabilité finalement au danseur de l'inventer. Alors, on lui donne les outils pour inventer son avenir, on le construit pas, finalement c'est quelque part, on le fait pas ensemble, on ne cherche pas à le faire ensemble, on cherche à bâtir le terreau sur lequel ils vont pouvoir pousser et inventer leur propre vie, leur propre avenir. Et certains s'en sortent très très bien, d'autres plus difficilement, parce que la réalité, c'est que quand on revient dans son pays, on est confronté à d'autres choses, à d'autres réalités, c'est-à-dire l'isolement, le manque d'infrastructures, le manque de politiques culturelles et chorégraphiques, et donc on se retrouve un petit peu isolé, et heureusement, il existe de plus en plus ce réseau de danseurs
et d'autres lieux qui ont été aussi créés, comme la termitière au Burkina Faso, par exemple, où finalement, ceux qui sont venus à l'école des Sables se retrouvent aussi à la termitière à Ouagadougou, et puis ils vont se retrouver à un moment donné aussi quelque part au Mali, et puis au Cameroun, voilà, des pays où on essaie de faire des choses. Et finalement, se construit petit à petit cette force optimiste, hein, qui va faire que peut-être qu'on va pouvoir s'en sortir si nos gouvernements s'y mettent. Mais là, c'est un autre débat. Je vous remercie. Merci.